Et là arrive à ce stade, attention, ce sont ce qu'on appelle dans le jargon les quarts de finale à 5. Ça, ça dépend évidemment du nombre d'inscrits par catégorie. Eh bien, on a des quarts de finale à 5 dans la catégorie des Benjamins. Et malheureusement, un d'entre eux se verra éliminé pour les demi-finales tout à l'heure. Voilà, c'est parti, c'est lancé. Il est complètement à l'intérieur. Il porte le numéro 22, bien sûr. C'est Mallory. Mais le club du Courlier a pris la tête des opérations. Il est à l'extérieur, car à l'intérieur, nous avons également Pombezin Matisse de jouer les tours. Et il y a Carquefou, donc. Et bien, avec Loïc Foissé qui occupe la troisième. Oh, on a glissé. Mallory a tombé alors qu'il occupe la deuxième position. Il faut se relever rapidement. Elliot Girard occupe la deuxième place. Enzo Godet, la troisième position. Et c'est le Carquefoulien Loïc Foissé. Et bien, qui va accéder aux demi-finales. La victoire revient à Matisse, Pombezin. Et malheureusement, et bien donc, Mallory a chuté alors qu'il occupait une place qualificative. Voilà, c'est la course, c'est le sport. Voilà, quatrième place donc pour Loïc Foissé. En deuxième quart de finale chez les Benjamins maintenant. De lancer, il y a le club de Nozay, il y a surtout chez Lois, Samuel de la Roche-sur-Yon avec Nozay en deuxième position. Arthur Lepine qui va prendre la deuxième position, plaque numéro 51, et qui attaque même Mathieu pour prendre la première place. Ouais, exactement, Timothée Lucas qui occupe maintenant la troisième position et Axel Aubertier. Eh bien, maintenant doit résister, il occupe la quatrième place. Et pour vous dire que actuellement, eh bien, c'est Loris Aubrussier, le pilote de Trégueux, qui est en difficulté à la cinquième place. Il faut maintenant produire un effort. Toujours Nozay, Arthur Lepine, Samuel Chaillot, le pilote du Tréport, Timothée Lucas et Axel Aubertier.